soit derrière ou devant, on a su, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, resserrer les rangs et bien défendre aussi, quoi. Parce que pendant 30 minutes, on est dans notre camp et malgré les assauts en moins un, on arrive à répondre présent. Pourtant, leur qualité, c'est le 1 contre 1 et on n'a pas failli là-dessus, donc on s'est bien préparé toute la semaine pour ça et on a réussi. Au-delà du fait que vous prenez bonus offensif, c'est aussi un match sans essai encaissé. C'est vraiment le maximum de confiance avant d'aller prendre des vacances, j'imagine, bien méritées, enfin, du repos plutôt. Bah oui, après on travaille toute la semaine dessus. C'était plutôt notre défaut, je trouve, du début de saison. Et on a travaillé chaque semaine un gros créneau sur la défense et je trouve que le travail paye au final. Même à Bayonne, même si on prend 24 points en 20 minutes, après tout le reste, pendant 60 minutes, on a su bien défendre et on a carrément gagné la deuxième mi-temps. Donc on arrive à chaque fois à tirer du positif. En plus de ça, c'est vrai que les progrès défensifs, là, vous les avez, on va dire, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même quelques matchs au niveau de la conquête et de la défense qu'il y a eu des progrès. Comme je dis, moi je trouve que ce soit en attaque ou en défense, là, on progresse chaque match. Et là, ça a été complexe. Ouais. En fait, disons que et en attaque, vous aviez des phases, vous aviez beaucoup de ballons à jouer, beaucoup de munitions, et que vous n'aviez pas forcément réalisé ce qu'elle est avec. Là, on sent qu'il y a eu de la fluidité sur l'intervention de l'UCF. Vous avez, c'est varié en plus, un essai de filou de. Du coup, un essai de pénalité parce que vous êtes dominateur en mêlée, enfin c'est. On a l'impression que c'est un peu. Ça récompense un peu le travail de tout le monde. Après, ce qui est bien par rapport aux autres matchs, c'est qu'on est beaucoup plus réaliste. Sauf, ouais. Je trouve, dans les 20 dernières minutes où on peut mettre peut-être un essai en plus pour pas être en galère à la fin. Mais justement, à chaque fois qu'on allait dans leur camp, on prenait au moins 3 points, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Alors qu'avant, on marquait des essais. Alors qu'avant, on prenait juste 3 points, alors que normalement, on devait marquer des essais, là. Donc c'est ça qui était intéressant sur ce match aussi, quoi. C'est marrant parce que du coup, dans ce...